Scène du cœur d'homme italien d'Aoste, spécialisé dans les champs montagnards et dirigé par une femme, dernière consigne. Et pas tiré comme tanti uomini, c'est facile avec tant d'hommes ou ils sont difficiles, ils sont difficiles. Très facile. Très facile. Ah. C'est mon côté Eurovision, j'adore Estonie maintenant, s'il vous plaît, ou Hello, Deutschland, etc. J'adore cette cérémonie, c'est vraiment émouvant à la fin. Je gagne ma vie dans l'événement, ça, j'anime plein de cérémonies, mais c'est celle-ci qui m'émeut le plus. C'est pour ça que j'ai toujours un peu le trac, parce que j'ai très envie de, que ça se passe bien. Parmi les 14 chœurs du monde entier invités à se produire sur scène, le chœur d'enfants Masaya des quartiers pauvres de Manille aux Philippines, émotion garantie. Au fur et à mesure de la soirée, la place Stanislas a fait le plein de fidèles et de curieux convertis. Ah, c'est bien, ça donne un peu de vie sur la place parce que ça, c'est une place qui est tellement belle qu'il faut savoir la faire vivre. C'est l'échange, c'est la joie, c'est le partage. Et donc on est tous heureux d'être là et de participer. Au bout de 2 heures de spectacle, 1 millier de choristes lorrains et étrangers se rejoignent pour interpréter 3 chants communs. Moi, je suis plutôt fan de rap, mais c'est la première fois que j'assiste à... Et ça vous plaît, ça? Oui. Et vous, mademoiselle? Oui, ça me plaît trop. Ouais. C'est la première fois que j'assiste aussi, mais c'est trop émotionnel. En une semaine, le festival a conquis près de 40 000 spectateurs. Le rendez-vous est pris pour 2018 avec un accent mis sur le... Oui, c'est le colo. Pene Nere, c'est un chœur, eh bien, comme vous voyez, d'homme, mais sous la main, sous la direction, avec une main de fer, dirigée par Marilena Benvenuta. Benvenuta. Merci. Ok. È facile con tanti uomini, c'est facile avec tant d'hommes, ou ils sont difficiles? Sono difficile. Très facile. Très facile, ah! Que signifie les plumes? On est les plumes noires parce que les chasseurs des Alpes ont des plumes noires sur leur chapeau. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui a fondé le groupe il y a déjà presque 60 ans. Et ce chapeau, eh bien, c'est le même qu'on utilise depuis toujours. Et il a une plume noire. Il est là, c'est Julian. Bye.
Magnifico, grazie tante, soprattutto a Marilena, con voilà. Merci beaucoup e grazie.